C'est un préavis de grève de 4 jours reconductible. Il concerne l'ensemble des pilotes de toutes les compagnies françaises ou de toutes les compagnies ayant des pilotes avec des contrats de travail de droit français. Et donc forcément, cela risque, si cette grève a lieu parce que le gouvernement ne tient pas ses engagements écrits, cela risque d'occasionner quelques perturbations à ce moment de l'année. En 2008, après concertation grâce à un médiateur, M. Chertier, nommé par le gouvernement de l'époque, un projet avait été présenté au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant et voté à la majorité par celui-ci. Il ne manquait plus donc que les décrets d'application. Depuis 2008, nous attendons les décrets d'application. Sur la caisse de retraite du personnel navigant, l'ensemble des partenaires sociaux, gouvernement, compagnie aérienne et syndicats de pilotes et d'hôtesses et stewards sont d'accord pour dire depuis 2005 qu'une réforme est nécessaire pour assurer la pérennité de cette caisse de retraite qui actuellement ne peut pas, avec les cotisations, payer l'ensemble des prestations et donc puise dans ses réserves.